Il y aura 370 ans, en mai prochain, que Guillaume Couture a pris possession de sa concession à la pointe de Lévis. Aujourd'hui, le secteur Lauzon à Lévis. Cette bande de terre s'étendait de la rive du fleuve et longeait l'actuelle route Monseigneur Bourget jusqu'au-delà du boulevard portant maintenant son nom. Me voici de retour, sur la terre où j'ai bâti ma maison et fondé ma famille avec mon épouse Anne-Aimar. La petite église Saint-Joseph de la Pointe-Lévis a bien grandi depuis 1677. Je me sens chez moi comme à l'époque. Le ruisseau est toujours là. C'est près de lui que tout a commencé à la pointe de Lévis. Une rencontre historique se prépare. Guillaume Couture vient saluer brièvement le maire de la ville de Lévis, Gilles Lehoulier. Guillaume Couture. Les citoyennes et les citoyens de Lévis n'ont pas oublié ce nom, puisque le plus grand boulevard de Lévis, qui traverse d'est en ouest la ville, donc sur une bonne partie de la seigneurie de Lauzon, porte désormais le nom de Guillaume Couture. J'invite, au nom de la population de Lévis, tous les Coutures au grand rassemblement de mai 2017. Je les invite à venir à Lévis. Nous serons fiers d'accueillir les descendants de ce pionnier fondateur de notre ville.